Bon, ben, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle étape, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, j'ai tout refermé. Maintenant, ben, on va finir de tout résiner, fibrer. Donc là, la première étape, ça va être un gros travail de préparation. À poncer, enlever tout le gel coat qui est pourri, faire apparaître un petit peu la fibre ou au moins enlever tout ce qui part. Donc une bonne séance de ponçage, de l'ajustement pour enlever tous les petits désaffleurs, casser tous les angles trop saillants, parce que si on fait des angles trop saillants avec la résine, après ça va avoir tendance à buller. Donc on arrondit au maximum, on mastique les petits trous, les petites fentes pour avoir une surface nickel pour pouvoir appliquer la résine et la fibre. Donc ça va être ben, les prochaines étapes de cette vidéo. On va faire de la préparation. J'espère avoir réussir en une journée à préparer tout le support pour attaquer la résine prochainement. Bon voilà, ça y est, j'ai fini la passe, donc trois couches. On voit encore la bande au milieu là que j'ai mis. Là, une fois que ça aura durci, on a fait la première partie, ça va pas bouger. Il me restera le retour à faire ici que je ferai dans un second temps. Les bordures que je rajouterai une couche. Il me reste encore quelques bordures là sur les côtés à faire. Je vais peut-être les faire maintenant si je me chauffe. Tant que je suis dans la résine, au moins je continue là-dedans. Donc allez, hop, c'est parti.
Bon voilà, il y a une petite accalmie dans le vent, beaucoup beaucoup de vent, j'espère que ça ne s'entendra pas trop. Je viens de finir de résiner tout ça. J'ai mis du coup, vous ne m'avez pas vu filmer, mais en dessous de chaque tire-fond, j'ai mis un peu de mat. On voit que c'est un peu plus jaune. Et par-dessus, bah, bien sûr, le tissu de verre, voilà, sur toute la largeur, pour avoir quelque chose d'à peu près lisse, même s'il y aura des petites bosses forcément sur les tire-fonds, mais c'est pas gênant. Ça me permettra ensuite de refaire un gel coat propre. Voilà, là, j'ai renforcé légèrement en dessous. Vous n'allez rien voir. Hop. Voilà, en dessous, j'ai renforcé également parce que j'avais une petite fissure. Et j'ai blindé, j'ai tout résiné. Hop, tout autour du tout le caisson. Là, les bords. Voilà. Après, il y aura un gros ponçage, masticage et tout ce qu'on veut. Voilà, ponçage, nickel, peut-être un coup de résine en plus. Ensuite, mastic. Voilà, il me reste à poncer là. Là, c'est fait. Mais on arrive au bout de la résine. Ah non, il me reste encore tout l'intérieur des... Il n'y a pas beaucoup de lumière. Tout l'intérieur des coffres à résiner proprement. Et ce sera bon. Ce sera bon, ce sera bon. Je vais peut-être m'attaquer à ça. Bon, allez, on continue sur l'avancée du bateau. J'ai tout poncé. Après la résine que vous m'avez vu faire, bah, j'ai passé un coup avec un gros grain pour enlever toutes les aspérités, rendre un petit peu plus lisse. Et là, Alexis vient de passer à l'étape du mastic. Donc là, l'objectif, c'est de remplir bah, tous les petits trous qu'il peut y avoir, mastic fibré. Et après, on repassera un coup de ponçage. C'est vraiment pour remplir les espaces pour avoir quelque chose d'à peu près lisse. C'est pas un ponçage, après, on poncera au 120. Il n'y a pas besoin que ce soit parfait, parfait. Parce qu'après, on aura le gel coat, puis un ponçage encore, puis une deuxième couche de gel coat. L'objectif, voilà, c'est de lisser à peu près. Pour qu'on ait le moins de bosses possible, d'adoucir tout ça. Pardon, je sais pas si vous avez beaucoup filmé, il y avait la carte mémoire qui était pleine. Je verrai au montage. En tout cas, voilà, j'ai fait la première couche. Je me suis fait complètement avoir par le temps avec la température. J'ai catalysé à 2%, j'aurais dû en mettre moins. Du coup, j'ai pas eu le temps de finir d'appliquer que ça a commencé à prendre. Donc, j'ai des grumeaux.
un peu partout. C'est pas bien grave parce que dans tous les cas j'ai prévu un ponçage entre les couches. Là c'était une couche de charge pour essayer de boucher voilà tous les micro-trous qu'on peut avoir. Bon, il en reste encore un ou deux, mais ça permet de les boucher et le ponçage permet d'avoir quelque chose de lisse ensuite. Et c'est la deuxième voire troisième couche qui ensuite fait quelque chose de lisse, homogène et bien joli. Mais en tout cas là je me suis bien fait avoir, quand ce sera dur il y a une petite séance de ponçage en plus. Voilà, et pour l'application j'ai appliqué au pinceau pour charger plus, du coup c'était plus long, et d'habitude je charge au rouleau, je mets au rouleau, mais ça fait une couche beaucoup plus fine au rouleau, donc dans tous les cas les prochaines couches seront au rouleau. Mais je vais faire moins de quantité et surtout je vais catalyser moins. Bon, vous m'avez vu avancer là, donc j'ai tout gel coaté. Dans les étapes, le gel coat, enfin le top coat plutôt. Donc c'est une résine bicomposant, enfin une base et un catalyseur. Attention, quand vous faites cette étape là, là la température, il faut vraiment qu'il fasse entre 15 degrés maximum, c'est le conseil que je vous donne. Sinon ça prend beaucoup trop vite, faites des petites quantités, moi je fais 200 grammes maximum, sinon ça prend très très vite, même en catalysant assez peu, je catalyse à 1,5% maximum, du coup après sinon vous n'arrivez plus à l'étaler, je me suis fait avoir au début, il faisait trop chaud et j'en avais mis trop de catalyseur. Dans les étapes, je fais une première passe au pinceau en général pour vraiment charger. Je dilue légèrement à l'acétone, sinon c'est vrai, il est vraiment épais le top coat. Je vous mets un lien en description de celui que j'utilise, il est vraiment top. Je charge au pinceau, ensuite je fais un ponçage avec du grain, c'est du 120 pour lisser, pour que ce soit bien propre. Et ensuite je fais une deuxième couche, voire une troisième couche s'il y a besoin. Mais là cette fois au rouleau, on applique une couche du coup beaucoup plus fine. C'est beaucoup plus... on en met beaucoup moins. C'est vraiment juste, c'est surtout pour colorer. La charge, elle se fait vraiment au pinceau avant. Et ça permet de boucher les petits trous, les petites imperfections. Il y en a encore quelques-unes. Mais voilà, j'ai attaqué devant. J'ai fait toute cette partie-là.
Il me restera bah, l'intérieur là du coffre, enfin du coffre du caisson à faire. Mais voilà, là par exemple j'ai chargé au pinceau. Maintenant je vais faire l'étape du ponçage pour que ce soit bien lisse. Et ensuite voilà, au rouleau ça va juste peindre. Mais comme ça on a un résultat qui est nickel, bien lisse. Surtout, je m'applique surtout sur les parties qui seront visibles après. Normalement on va poser un covering, mais je sais pas encore quand on va le faire, etc. Mais pour que ce soit bien lisse, qu'on voit pas des bulles, des bosses ou des choses comme ça, je m'applique énormément. Donc le tableau arrière, voilà, bien lisse, les francs-bords bien lisses. Là au fond, au final ça se verra jamais. Du coup je vais moins m'attarder dessus, je vais juste passer le top coat assez rapidement. Je mets une première couche au rouleau, je viens au pinceau rajouter les petits endroits où ça manque légèrement, très rapidement, et je mettrai une deuxième couche au rouleau. On verra si j'en mets trois, mais je pense que déjà avec deux ça ira bien.